Bonjour, je suis Viviane Chêne-Ribeiro. Je suis présidente de Talentia Software. J'ai aussi porté sur les fronts Baptismo, une organisation qui aujourd'hui est bien connue, qui fait partie des actions de Syntec Numérique et qui s'appelle Femmes du Numérique. J'ai donc lancé Femmes du Numérique en tant que présidente. Je viens de passer cette présidence à Véronique, après 2 ans à Véronique Di Benedetto. Alors Femmes du Numérique et Femmes du Numérique pourquoi ? Tout simplement parce que nous sommes une activité dans laquelle nous n'avons que 27% de femmes. Cette activité est à la fois une activité de création d'emplois, à la fois une activité avec un terreau extrêmement fertile pour les créateurs d'entreprises et donc devrait attirer beaucoup de jeunes. Nous avons aujourd'hui dans notre activité un problème de recrutement. Nous recrutons 40 000 jeunes par an. Nos écoles d'ingénieurs n'en produisent que 25 000. Parmi ces 40 000 ou ces 25 000, nous ne trouvons que 20% de femmes. Et aujourd'hui, dans nos activités en place, il n'y en a que 27%. Et pourtant, elles sont traitées de façon quasi équivalente en salaire quand on compare avec leurs collègues masculins. Il faut donc aujourd'hui agir sur le recrutement. C'est ce que fait Femmes du Numérique, et nous agissons notoirement sur l'attractivité. L'attractivité en désignant des rôles modèles, en mettant en avant des jeunes femmes qui allient à la fois leur vie personnelle et leur vie professionnelle.